Et c'est dommage hein, de pas avoir pu te parler plus que ça. Oula, ok. Ouais. Oh les arcades secrètes, j'avais oublié. J'avais oublié, il a un Pichu. Cet homme est un fan de Naitoru. Un Naitoru fan. Un Naitoru fan. Attends, Arbok, c'est vrai, je le... Attends. Oui, il y a un peu de temps de process, tu vois, là, pour comprendre, mais... ouais, Arbok, donc, joueur de la team Let's, je crois. Hein, Let's, ouais. Ouais, qui... je pensais que c'était son pseudo, parce que je l'avais vu, et quand j'avais regardé la manquette, je l'avais vu. Mais ouais, Arbok a sorti Pichu, et mon cerveau a fait erreur système. Faut faire un redémarrage, parce que son Pichu, je l'ai pas vu depuis au moins un an. Reboot. Arbok, que je connais un peu plus avec son Ridley, évidemment. C'est vrai que Aroko que je découvre aujourd'hui. Donc à voir en vrai. Oh, le à voir. Il l'a senti passer là, on l'a ça vu sur la play arcane, hein. Il l'a senti passer le psage. Oula, faut faire attention là. Est-ce qu'on va réussir à revenir le nerf? Voilà, on a sa belle Pichu. Hein. Heureusement qu'on a une recovery avec cette B. Est-ce qu'on va tenter quelque chose? Ouais, je pensais qu'on partirait plutôt pour un grain de nerf. Ok. C'est Pichu, hein. Ok. C'est... Non, c'est Pichu. Pichu, ça fait mal. Bon après, ça s'inflige des dégâts tout seul, mais voilà, hein, écoute. Hein. Évidemment, les propriétés de Pichu, hein, si vous utilisez des attaques électriques, vous faites des dégâts à vous-même. Mais ça, ce qui fait que ça place Pichu finalement dans la catégorie des Glass Cannon, où finalement tu fais beaucoup de dégâts, mais genre beaucoup. Mais que bah tu te fais éjecter un petit peu trop vite. Oula. Beaucoup oh, trop vite. Oh, tellement là, vite. Là, tellement là, vite là, que là. Carrément, c'est le Ridley de Arbok qui va tomber en première alors que la phase était totalement pour le bon Ridley. Il a coupé le buzz. Hein. Il a coupé le buzz. C'est hein. Buzz. Il se m'attendait tellement pas. Je me suis dit, bah c'est bon, c'est calme. La game est partie sur un rythme plutôt lent. Et là, d'un coup, hop, petit up tilt, Thunder. Perd la stock à 60. Hein, bah c'est la vie hein, quand on joue face à Pichu. Hein. Pichu vraiment qui est une machine de guerre. On peut le dire, oui. C'est un perso qui vraiment tape abusivement fort, même si bon, il se met des dégâts et qui est bah, aussi très léger. Et là, bah, on est mort. Ouais. On est mort. Ah, on est mort. Ah, on n'a pas voulu. On n'a pas voulu le smash, mais je pense qu'on mourrait 100% du smash, hein, connaissant la puissance hein, de Pichu. Ouais, bon, on va prendre un air hein, bon, à 140, 150, c'est normal hein, pour Pichu de mourir. Hein. Et le smash. Ah, voilà. Ouais. Le S-Match du côté d'Aruko. Aruko vraiment qui a speedrun la game numéro 1. Hein. Il veut sa qualification en top 16. Hein. Ouais. Et bah, je sais pas quoi penser de la game en fait. Et bah, alors, moi je me disais pour Ridley, ok, c'est pour Ridley parce que je me dis, oui, niveau mi-distance, on est assez excellent tout de même, on tape très fort, on peut sortir le Pichu très très vite à des pourcentages assez bas. Après, un Pichu qui déroule comme ça, qui prend l'autoroute à 4, qui fonce, qui va totalement te rouler dessus. En plus, tu tapais le Ridley, donc forcément, sacré combo. T'as une plus grosse hardbox, une hardbox un petit peu plus généreuse. Donc forcément, pour les combos, ça va passer beaucoup plus facilement. Et sachant que Pichu est un maître, c'est un maestro des combos. Et on l'a vu tout à l'heure, tu peux mourir très très bas à 30, quoi. Ouais, bah, on l'a vu avec ce Thunder. Hein. Le Thunder, vraiment, ça donc, m'a réveillé. Ouais, le petit Thunder, le petit Fatal Foudre, comme on dit. Eh bah, ça peut faire des games. Ça peut faire des games. En tout cas, ça a fait la game 1 du bon Aruko. Et est-ce que ça va faire la game 2? On va le voir. Ou est-ce que Arbok va se ressaisir? On part cette fois-ci sur Small Battlefield. On est parti sur Small Battlefield, hein, une map un peu plus grande que cette précédente. Ok, on a fait un neutral bien un peu dans le vide hein, du côté hein, d'Aruko et d'Arbok, qui sera directement 64%. Aruko pour le moment qui est vraiment très clean sur ses phases. Oh le donner, on a voulu plonger très très bas. Il est là pour nuire, hein, clairement Aruko. Hein. Bon, ouais, on a voulu tenter un nouveau Thunder, mais on n'est pas du fan du côté hein, d'Arbok. On s'est adapté, hein, 86%, ouais, le smash aussi veut du sang. Hein. Les deux veulent du sang hein. Ah, les deux, mais c'est vraiment violence extrême hein. C'est vraiment tentative de nuire. Oh là là, et on là, là bien. La couverture. Oh là, avec le Down Smash. Couverture excellente. On avait Down Smash. On avait bien trouvé la Ridley. Mais malheureusement, ce sera pas suffisant pour tuer évidemment le Ridley. Ridley c'est nous. Ridley, ça mange bien à la cantine. Ridley c'est un personnage qui est pas facile à sortir, qui est pas facile à éjecter. Mais évidemment, Kenini mon ami, quand tu t'appelles Pichu, tu ne prends pas en compte ce genre de données. Force Smash dans le shield, attention, ça joue shield contre shield. Très bien vu de la part de Aruko qui va prendre le lead sur cette game 2. Allez, Aruko hein, qui clairement regarde encore une fois la phase hein, directement 40. On va aller chercher hein, ce Ridley. On va le mettre offstage. On veut forcer la recovery. Oula, on a eu un EB un peu bizarre du côté d'Arbok. J'ai l'impression qu'Arbok ne sait pas trop, dans quel bourbier il est tombé hein, face à ce Pichu. Enfin, il reprend la sauce à chaque fois. Hein, il n'y a pas une seconde où il est tranquille. Hein. Encore une fois les Thunder encore une fois hein. Voilà, on va tenter le Fora Smash. Et vraiment Aruko impressionné avec son Pichu, même si là voilà on va prendre un peu la sauce hein.
Arbok qui vraiment s'est réveillé, 70%, on va mettre ce Pichu au ledge. Oula, le fort à smash, c'est un Miss Code Fall, hein, vraiment. Oh là là. Et ça se tape dessus à un rythme effréné. Hein. Ah, je te jure, là, ça tape de partout, c'est vrai. C'est un Haruko qui domine bien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, l'objectif de Haruko, c'est quoi? C'est de mettre beaucoup la pression à son adversaire. C'est vraiment d'essayer de le maintenir au maximum à distance, de pouvoir dérouler un petit peu toute ma cuisine. Parce que je sais que si je me prends une phase, si je me prends une touche, bah écoute, je prends tarif. Et le tarif, il est plutôt salé. Est-ce que le tarif sera salé du côté de Arbok? Pour l'instant, rien du tout. Backer, excellent. 54. Ok, on essaie de remonter, on essaie vraiment de garder la distance. Attention tout de même à la recovery. On peut punir assez facilement si jamais on atterrit mal. On avait la punition du smash, finalement on prendra aucun pourcent, donc bon, ça n'aurait rien changé. Mais bon, ouais, Haruko qui ne laisse pas respirer, hein, il est en train de lui faire suffoquer petit à petit. C'est comme un serpent qui vous enroule, hein, qui finit par vous tuer. Ouais. Voilà le up tilt, le thunder, game numéro 2 et on a Strasbourg derrière en ébullition. Tellement chaud, tellement bouillant. Bouillant ici, comme le Pichu de Haruko. Un petit peu de haut mur, hein, pour le joueur de Ridley. C'est Tandax. Ah oui, c'est tendu. Hein. C'est tendu, ça se met des baffes. Hein. C'est un concours de baffes, j'ai l'impression. Tu vois, s'il y en a un, il lui met une phase d'avantage, l'autre il lui met une autre phase d'avantage et les stocks ils disparaissent comme ça. Pouf, pouf. D'un côté, l'autre. Franchement, j'avoue que. Vu la vitesse où ça va, j'arrive pas à bien analyser forcément les games. Mais Haruko quand même au niveau de. Je sais pas, mais aujourd'hui il a un truc, il a été voir une voyante ou je sais pas quoi, parce que depuis ce matin il ne fait que des rides. Même sur ouais, c'est vrai. Sur cette place c'était à base de rides. Il ridait les spot dodge, les rolls, tout ça. Et à chaque fois il avait la punish parfaite. On l'a vu encore une fois ici, hein, la roll, il a punish avec un FT. Tout à l'heure, Idoc faisait des punish avec des up smash, des down smash. Haruko, maître du play aujourd'hui. Hein. Il est excellent. Et il est impérial pour l'instant. Est-ce qu'il restera impérial pour cette game 3? Il y a des chances, parce qu'on a un très très bon démarrage, en tout cas, pour le bon Pichu. 54%, regarde ça. Comment, en fait, Arbok est coincé. Il est juste coincé. Ouais, il est coincé, hein, il est en train de suffoquer. Peut-être si je t'ai dit, hein, vraiment. Oh, attention, on va faire attention. Ça va, c'est la recovery de Pichu, ça. Ouais. C'est Pichu, c'est la recovery. On avait un saut, on avait tous les outils pour pouvoir revenir. Je sais pas si t'as vu, il est passé entre les jambes de Ridley. Il est passé entre les jambes de Ridley. C'est ce forward smash qui viendra faire la punish. C'est incroyable, Smash Bros. Non, ça déroule trop. Il est passé. Oh là, mais vraiment, faut faire attention par contre à Robo. Faut faire attention, hein, parce que bon, Arbok, je connais quand même à peu près le niveau. On sait que c'est un joueur un peu reconnu au Luxembourg et donc c'est pas le premier à être, cuit. Hein, donc il a comme de la ressource, hein, et même si bon, t'as le lead, hein, on sait que c'est Pichu, ça reste assez volatile. Et donc il faut continuer à faire attention. Ouais, volatile est très léger, hein, donc oui, il faut trouver un petit peu cette porte. Oh, le spacing. Oh, le spacing. Excellent pixel. Sur ça. Excellent. À chaque fois, je vois. Regarde le spacing pixel sur le side B, sur le B, il anticipe tout. Side B, up B, regarde ça, je cours. En même temps, Pichu a la mobilité pour. Donc, il a, notre bon Haruko, il a la mobilité pour pouvoir esquiver ça. Il avait relu la roll de la part d'Arbok, mais là, c'est passé qu'à quelques frames, mais vraiment. Non, il est trop chaud. Haruko est trop chaud. Haruko est vraiment beaucoup trop chaud. Trop chaud. Beaucoup trop chaud. Beaucoup trop chaud. Comment calmer les ardeurs du Pichu qui est Haruko, Arbok. Qui se pose un tas de questions dans sa tête, qui essaie vraiment de trouver ses portes, parce que là, aïe, on est vraiment coincé, on est vraiment en train de ne plus respirer, si vous voulez. Regarde, il bourre les F-tilt parce qu'il sait qu'il va provoquer une réaction, et voilà, hein, ça suffit encore une fois F-tilt, hein, pour récupérer la deuxième stock. Haruko qui est vraiment pour le moment sur le chemin du top 16, hein, et pour le moment, Haruko qui n'a pas pu trop contester sa suprématie. Hein. Suprématie, hein, qui est juste dominante pour le Pichu, regarde ça. On a beau dérouler, on déroule pour Arbok, on essaie vraiment de prendre la stock, on met des forts en smash, on met des trucs et on n'y arrive pas, on trouve pas de porte. On sait que là, niveau frame data, on est largement supérieur pour le bon Haruko. Et Haruko, bah regarde ça. En vrai, on parle. Et tu vois, je te dis, il va trouver un Hyper Thunder et ça va être fini. Oui. Il va trouver un Hyper Thunder ou un. Il va trouver quelque chose, c'est sûr. Ouais. Ah, peut-être là. Hyper Thunder, il était pas loin, mais il y avait la plateforme, hein, pour sauver Arbok. Hein. Et attention, là, voilà, il suffirait de quelques rides. Hein. On sait qu'en plus, là maintenant, Ridley est à max rage, hein, donc ça pourrait.
Ça pourrait faire très très mal, hein, Up Smash, hein, pourrait partir et envoyer ce Pichu à 60%, hein, même, hein, au niveau de la blason. Attention, oh là, oh la ride, non, encore, oh, une fois. La ride de roll, il a toutes les rides de roll, et Haruko qui avance dans le top 16 de cette